visage. Merci d'éteindre vos téléphones portables. Ce qui m'a séduite, c'est de voir la passion des policiers pour leur métier. Et je pense que inconsciemment, évidemment, ce qui m'a transcendé, c'est que ça tourne autour de l'enfance. Donc c'est peut-être le point commun dans mes trois films. Ce qui m'a aussi frappé, c'est l'état des lieux de la sexualité chez les adolescents. C'est de voir à quel point ça s'est banalisé. Que les ados sont prêts à tout pour sucer, se faire sodomiser, pour un MP3, un portable. Ça m'a bouleversé, ça. Déjà, moi, à partir du moment où on me propose une belle histoire, je me mets au service de l'histoire, qu'en fait, c'est déjà ça, quoi. Après, policier, travesti, ou je sais pas, peu m'importe, quoi. D'accord. À partir du moment où... c'est le cinéma qui est venu à moi, et à partir du moment où j'ai décidé de faire quelque chose, où j'ai pris certains cas que j'ai pu prendre, avec les gens avec qui j'ai joué en plus, qui m'ont donné envie d'eux. J'ai l'impression que j'ai fait quelques interviews depuis que je suis arrivée, et c'est une question qui est récurrente. Joey Starr dans un rôle de flic, et pourquoi pas. Ce que je connaissais de la police me plaisait pas tellement, avec des abus de pouvoir, des choses comme ça que j'aimais pas. Là c'est vrai qu'il nous a été donné de rencontrer des gens très dévoués.